Michelin est engagé depuis de nombreuses années sur la question du handicap et de la diversité au sens large, mais notre volonté effectivement d'être plus inclusif se traduit concrètement par des actions qui sont menées au travers du recrutement, au travers de nos partenariats avec des entreprises adaptées et protégées qui existent depuis plus de 20 ans chez Michelin. Ces actions concrètes, elles ne sont pas uniquement envers nos salariés, dans le cadre du maintien en emploi, mais elles sont aussi vers l'extérieur. Et notre engagement, aujourd'hui, avec différents et compétents, s'inscrit dans cette ouverture d'extérieur. Ces partenariats nous engagent, nous permettent de faire connaître notre politique et traduisent tout à fait notre volonté d'être une société inclusive. Ça représente quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est tous confrontés à la question du maintien en emploi, parce que dans notre histoire de vie, on peut être amené à un moment donné à être en situation de handicap. On est tous égaux face à la compétence. Et c'est ça que je trouve important et intéressant. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous êtes en situation de handicap que demain, vous ne pouvez pas avoir des compétences pointues dans un domaine. Je leur dirais aujourd'hui qu'ils sont des rôles modèles et que c'est important. Que c'est important que leur parcours y soit illustré. Et à titre personnel, je trouve que ça montre des qualités de résilience remarquables. Et ce courage, parce qu'en fait, il faut du courage pour aller vers ces diplômes-là et la reconnaissance des compétences et savoir-faire qui sont clés pour une intégration dans la société et plus largement dans les entreprises, puisqu'on recrute des personnes handicapées chez Michelin au travers de leurs compétences. Amener les travailleurs d'ESAT, d'IME, à avoir cette reconnaissance de leurs compétences qui leur permettra peut-être de sortir d'ESAT, de sortir d'IME et d'aller progressivement vers les entreprises adaptées et vers le monde ordinaire pour faire cette société inclusive qu'on appelle tous de nos voeux aujourd'hui. Si on a l'occasion de refaire une vidéo dans quelques années avec différents et compétents, on puisse avoir des jeunes qui ont eu leur remise de diplôme et qui sont chez Michelin à côté de moi. Voilà, c'est ça qui me ferait plaisir en fait, c'est qu'on puisse être ensemble chez Michelin.